OK. Éteins mon bébé, Harry. Hey, ça demande de la motricité fine, cette affaire-là. Là, je suppose qu'il va avoir quelqu'un ici pour nous attendre. Ma foi du bon Dieu. C'est Jean-Richard. Okay. Oh, je vois un canot qui approche. Allô? Oh, ben, Colin, comment ça va? Salut! Toi, à quel âge t'as fait, mettons, l'amour pour la première fois? 20? Hein? Épouvantable. Non, c'est ben épouvantable. Bon, c'est ici. Après vous. OK, my God. Gigi l'amoroso! Et là, on t'appelait Jello. Parce que j'avais des gros joues. Puis j'avais des petits tontons. Mais. T'avais-tu la shape d'un joueur de football? 4 pieds 11, 88 livres. Si on m'avait dit que toute ma vie, je ferais juste ça, chanter, répéter, j'ai pas eu d'enfance, c'était ça. Toutes mes amies avaient leur père qui disait ma petite princesse, puis moi, j'ai jamais vécu ça. Ça a chié toutes mes relations. Il me voit rentrer, puis je sais qu'il veut garder son rôle de. De père, tu sais. C'est beau. Très beau. Je t'offre mes souvenirs sur. L'école de l'humour, je pense qu'il me donne un exemple quand quelqu'un n'a pas l'impression qu'il est dans les meilleurs. Ils font comme, ben François, il était vraiment pas bon. C'est vrai? J'en reviens pas que vous avez ces images-là. J'ai jamais vu ça. Depuis ce matin, en fait, on est ensemble, puis je me rends compte que personne n'a cru en toi, sauf toi. Je veux plaire au monde et ça me tient vivante. J'avais envie de chanter autre chose puis de prouver que je pouvais avoir de quoi dans mes tripes. J'ai fait mon move puis j'ai manqué ma shot visiblement. J'aurais détruit du monde. Ma petite fille grandirait pas de papa présentement. Tous les jours, j'allais faire chanter des enfants. Puis j'étais bon. J'étais vraiment bon. Des fois de ton rire. Je pense que les trois, on a une sagesse qui est différente par rapport à notre parcours aussi. Puis c'est le fun qu'on la partage aux gens. Tiens. Ah, oh, on est beau, là. Ouais, je vous apprends. Merci, Mario. Merci d'avoir été là. C'est pas grave. Bye, bye. Bye, François.